Bonjour à tous, nouvelle vidéo YouTube, bienvenue, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nouveau concept sur notre chaîne, deux équipes au sein de Stapio, les pêcheurs et les plongeurs, un seul gagnant, celui qui aura le plus gros poids de carpe. C'est parti! Le concept est très simple, d'un côté, Marc et Gauthier, l'équipe des marins, de l'autre, Stan et Augustin, l'équipe des plongeurs. Le but est évidemment de sortir le plus de poissons possible, mais ce qui va déterminer le gagnant, ce n'est pas le nombre de poissons, mais l'accumulation des poids de ces derniers. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il va y avoir de sacrés retournements de situation. Premier départ du jour. En plein soleil. Ouais, juste avant 10h, on est pas mal. On est pas mal. Premier poisson pour l'équipe des marins, donc tout de suite on pèse. C'est à peu près 14 kg avec le sac. Bon, ben, premier poisson pour nous. En petite matinée là, on avait passé une nuit très calme. La première nuit était très calme, mais on est content de faire un premier poisson. Ah ouais, super poisson. Tu es allé reposer à la nage? Ouais. Tu prends la stratégie de notre équipe. Non. Ouais, premier poisson à 10h là ce matin. Et magnifique combat, il nous a amené directement vers la zone de réserve avec les bouées, donc une zone sûrement où elle se sent protégée. Et du coup, voilà, on est monté sur le bateau et puis ça nous a fait une super scène de bon matin pour nous réveiller et puis pour bien commencer la journée. Voilà, et puis histoire de mettre un point sur les i à l'autre équipe et leur montrer qui c'est qui fait des carpes et qui fait de la brème, quoi. On n'est pas, pas dans le même championnat, quoi. Ouais, en espérant que ça continue comme ça. Voilà, il y en a qui jouent en Ligue 1 et d'autres en Ligue 2. Ouais, on va y aller hein. Bon alors les plongeurs, expliquez-moi un peu ce que vous allez faire là.
Bah là on s'est équipé et puis on va les plonger, repérer le fond de l'eau, voir si on trouve des spots un peu intéressants et puis bah essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Comme on n'a pas de bateau comme l'autre équipe qui a besoin d'ustensiles en plus, bah nous on se... Système D, on va chercher les poissons. Ok, et c'est quel intérêt en gros d'aller chercher les poissons plutôt que le bateau? Bah déjà ça va permettre de vraiment voir les substrats, ça va permettre un peu de comprendre le milieu subaquatique. Malheureusement, bah, on va forcément naviguer moins loin et moins rapidement que ceux qui ont des bateaux, mais on va gagner en précision sur les spots. Ok, vous plongez à combien de mètres environ? Bon, 6-7 mètres. Ah, ça c'est les aléas du direct. Hein. Tiens. Et voilà, départ. C'est laquelle? Bon bah du coup, désolé pour ça, fausse alerte. Je reprends donc ma question. À combien vous plongez et pourquoi vous plongez à deux du coup? On plonge entre 5 et 10 mètres et on plonge à deux pour la sécurité parce que mine de rien c'est des plongées qui peuvent vite mal tourner, donc au moins quand on est à deux l'un peut ça devient plus sécure et ça permet aussi de mieux gérer les plongées, de se faire passer les infos, de corréler quand l'un voit un bon spot que l'autre puisse vérifier et puis d'enchaîner aussi, ça, parce que enchaîner les apnées, quand t'es tout seul, la première bah, c'est bien, tu tiens longtemps, la deuxième moins longtemps et de moins en moins longtemps. Quand t'es à deux, tu peux alterner, reprendre bien ton souffle en surface. C'est vrai qu'on fait plus de relais. Hein. Ouais, ça c'est pratique. On se met à l'eau? On se met à l'eau. Allez, bon courage. Son papier seul. J'attends qu'il plonge. Donc voilà, pendant que les copains ils sont en train de plonger pour mettre leur pêche en place, je suis venu leur faire un petit coup. Allez, bonne pêche! À part plonger, trouver des petits trous et trois cailloux de temps en temps. C'est que du caillasse. Hein. Voilà, ce serait vraiment un coup de bol de tomber sur un truc là. Vraiment stylé. Débriefing de la plongée, on a commencé à s'avancer, donc globalement sur les 3-4 premiers mètres de fond, c'est un fond plat, il y a à peu près 4-5 cm de vase et après on tombe tout de suite sur une souche un peu plus dure. Donc voilà, sur les 10-15 mètres quand on avance sur le lac, on a quoi, 3-4 mètres de fond, c'est vraiment pas énorme. Et après on a vu quelque chose d'assez intéressant, Auguste.
Bah on, en fait on a repéré énormément de petits trous, donc franchement je sais pas ce que c'est. Ouais, si quelqu'un peut nous dire en commentaire ce que c'est, parce qu'effectivement il y avait une quantité de petits trous dans la vase qui était telle. Nous on pense que c'est peut-être des espèces de verres de vase, de choses comme ça, mais on va dire on n'en a aucune idée. Ouais ouais, non c'est pas des écrevisses, je pense pas, c'est pas des grandes carpes parce qu'il y en avait absolument partout. Le fond était tapissé de partout de ces petits trous, et surtout on les retrouve pas en bordure, donc c'est vraiment un... Il n'y a rien quoi, c'est vraiment au loin, voilà, il y a des petits trous partout. Après, bah, moi j'avais les palmes, donc forcément c'était plus facile d'aller en profondeur, donc j'ai pu aller un peu plus loin, dans 8-9 mètres d'eau à peu près, je pense, au maximum. Bon là, il fait nuit noire, on n'y voit pas grand-chose et il fait froid, donc on n'y reste pas très longtemps. Pas rien d'intéressant non plus, c'est plat, ça descend en pente douce, oui. Pas d'obstacle, de temps en temps un petit caillou, mais c'est vraiment pas... Non, il y a peu d'aspérité, vraiment pas beaucoup d'obstacles notables, en tout cas sur les plongées, et effectivement le fait que... On est peu de visibilité, ça rend la plongée plus intéressante, et le fait d'utiliser la caméra underwater aussi, ça on pense que ce sera pas intéressant non plus. Parce que, on va pas la mettre. Parce que là on a quoi? On a même pas un mètre de visibilité. Ouais, non, et puis la caméra elle a besoin d'avoir 2-3 mètres devant elle pour vraiment que ce soit net et tout, là il n'y a aucun intérêt je pense. Et puis les poissons vont arriver, ça va être tourbé de partout avec cette petite pellicule de vase, donc je pense que non. Là. L'inconvénient de cette plongée, c'est que oui, on a une visibilité limitée, on a compris un peu comment étaient faits les fonds, on a vu ces différentes marches, mais on n'en a pas compris beaucoup plus que ça. Donc c'est vrai que là, pour le coup, un bateau avec un sondeur est quand même un peu intéressant. Ouais, ouais. Après, on a la canne à gratter, on va aller gratter un peu et essayer de voir un peu ailleurs s'il y a d'autres choses, mais je pense que tout le fond est assez lunaire et il va falloir mettre à bouffer. Et voilà. Ouais. Parfait. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais ils sont fous! Il est fou! À mort! C'est bas. C'est bas, c'est petit. C'est à l'image du groupe là-bas. Donc, à défaut d'avoir des carpes, on va plutôt se lancer sur une petite partie de Molki. Avec bien sûr quelques gages, donc le gagnant aura le droit pour la prochaine carpe de pouvoir la porter avec le sac de conservation. Ce qui va ajouter à peu près 1 kg, 1,5 kg. Donc ça va permettre peut-être aux plongeurs de rattraper leur retard ou aux marins de conserver leur avance. Petit point de mi-game, je crois que c'est l'équipe des marins qui sont en train de mener, ils sont à 40 donc il faut avoir 50, ensuite l'équipe des plongeurs qui sont à 33 et les derniers pour l'instant c'est la prod, on est à 25, la partie est loin d'être finie. C'est annoncé! Je n'en peux plus de ce binôme! Va remettre les quilles en place! Petit point sur les scores, du coup, comme prévu, la prod a gagné. Haut la main d'ailleurs, les deux autres équipes sont reparties à 25 parce que quand on dépasse les 50, on retourne à 25, ce qui fait donc 50 à 27 à 25. La partie vient de s'achever, donc comme vous l'a dit, la prod a gagné. La deuxième place et l'équipe qui gagne le bonus, ça sera donc les plongeurs. Donc prochaine fois qu'ils ressortent une carpe, ils auront 1,5 kg de plus.
dans la vie. Ma vie dans la vie. Ok, bah là il est à peu près 7h30, déjà une carpe au bout du fil. Augustin, alors, peux-tu nous en parler de ce qui s'est passé? Un départ franc au petit matin, je me suis jeté sur la canne, à l'inverse de Stan qui est resté au lit. Et là, attends, elle est en train d'essayer de passer sous le fil. Et là, Stan qui attend patiemment avec l'épisode dans l'eau, donc on va voir ce que ça va donner. Eh ben on va peser un peu ce poisson, Augustin. Est-ce que tu peux me montrer? On est à peu près à 7,75 avec le sac, évidemment. Donc ça rattrape le retard, mais vous êtes toujours quelques kilos en retard. Oui, mais on va se reprendre et je pense qu'il y a de belles choses qui vont arriver. Oui, j'en doute pas. Bon, bah notre premier poisson d'équipe, c'est pas un monstre, mais au moins on décapote. On décapote. En plus, c'est une belle miroir, elle a vraiment un bel écaillage. Ce côté-là est... Les deux côtés sont vraiment sympas. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas fait un gros combat non plus, mais non. Ça fait que toujours plaisir là de repartir avec autre chose que capot. Allez, on va la remettre à l'eau. C'est parti. Vous pouvez le voir derrière moi, la première session de pêche est en train de se terminer. Donc ça fait une manche à zéro du coup pour les marins, qui mènent de pas grand chose, tout reste à jouer évidemment en rivière. On va voir ce que ça va donner dans la suite. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos pronostics et qui vous pensez qui va gagner. Et nous on se retrouve très vite pour la seconde manche en rivière. A très vite.